In a 3 days crusade in Bafusa, God Almighty decided to use Prophet Frank mightily to expose the strong powers of darkness holding the land captive. This man is one of the 9 great notables of Bamungum city of Bafusa. He is the leader of the demonic occultic kingdom called 666, holding the whole territory captive. His kingdom has been terrorizing the whole area and keeping it under their control until this moment of the liberation crusade. This day of liberation began with an alerting entrance of the man of God into the stadium. During the message, the Lord Almighty led the man of God by his spirit to start talking in the midst of the trouble and captivity of this territory. Listen to some of the words said by the man of God. Of the past, dans le passé, families were held captive. Les familles étaient tenues en captivité. And Satan knew well, et Satan savait très bien, that if he allowed human beings, que s'il laissait les êtres humains, all human beings will follow the way of Jesus. Tous devaient suivre le chemin de Jésus. So Satan came on earth. Donc Satan est venu sur la terre. And created different ways for people. Et a créé d'autres chemins pour les gens. Some of their ways are planted in their homes. Certains de leurs chemins là s'est planté. Family altars. Les hôtels dans les familles. And that is the way for many people until you are delivered. Et c'est ça le chemin pour plusieurs familles jusqu'à ce que ce sont ces hôtels-là qui leur ont dit le chemin. Altars managing your life. Ces hôtels qui gèrent leur vie. They come and plant it in your family. Ils viennent semer ça dans la famille. And there are spirits in that altar. Et il y a les esprits dans ces hôtels. They're the one deciding what you receive in life. C'est ça qui décide ce que tu reçois. Whether you will marry or not. Si tu dois te marier ou pas. Whether you will give birth to children or not. Si tu dois accoucher ou pas. The amount of money you need to have. Le genre d'argent que tu dois recevoir. The entire life management is in their hands. Toute ta vie est cachée dans cet hôtel là. Our Lord Jesus Christ saw it. Mais Jésus avait vu cela. And landed on earth. Et il est venu sur la terre. I have come. Il dit, je suis venu. I am known the way. Je suis le chemin. The truth. La vérité. Am I talking to somebody here? Je parle à quelqu'un. I don't care which kind of way was already made in my family. Je m'en fous quel genre de chemin. But I know now the new way. Mais je connais maintenant the new way is Jesus Christ of Nazareth. C'est Jésus Christ. The new way is Jesus Christ of Nazareth. C'est Jésus Christ de Nazareth. What is happening to others, it cannot come to my own territory. Ce qui arrive aux autres ne va même pas trépasser mon territoire. This is how you become arrogant in the spirit. Alors c'est comme ça qu'on devient arrogant dans l'esprit. Write to pastors. Je parle aussi. You will sleep. I say write to pastors. Jusqu'au pasteur. You will sleep in the dream. Tu dors dans le rêve. You keep on seeing yourself back in your family compound. You are living in Bafusa. You are from whom? Tu te vois toujours là. You are from Kambe.
Par exemple, but every night, et tu you will see yourself back in your family mais home. Chaque nuit étant à Bafoussam, tu te vois toujours dans ton village. You are in America. Tu es aux États-Unis. You keep on seeing yourself back in Momo. Et tu te vois toujours à Momo. Back in Bafoussam. Tu te vois toujours back somewhere. Why? Pourquoi? When the family altar sit to hold a meeting, quand l'hôtel de la famille tient une réunion, your name is mentioned. Ton nom est mentionné. That you belong to that altar. Que tu appartiens à cet hôtel. Come back. Reviens. Your finances in that altar. Your children in that altar. Everything about you. Tout ce and the Lord said, they shall believe in me. I gave them the power to become sons of God. Your name is not mine in that altar. Écoutez. They are counting people that were born from that family. On compte les gens nés dans cette famille. That have the bloodline of that family. Qui ont la lignée de I am famille. Not more in that bloodline. I am not in that bloodline. I am not of that family. You can call my name the way you want to call. Tu veux, but when you come in the spirit, I have a demarcation. The blood of Jesus is talking to me. I am not carrying the blood of that family. I am carrying the blood of Jesus. Je porte le sang de Jésus maintenant. When you know all these things, quand tu connais ces choses, you become authoritative in the spirit. Alors dans l'esprit tu reçois l'autorité. You refuse to accept situations. Tu refuses d'accepter les situations. You refuse. Tu refuses carrément. Everything has been made good for us. Amen. Listen. Tu as été fait bien begin pour nous. To practice these things you are hearing. Commence à mettre en pratique ces choses. And the next thing is testimony. You don't need pastor to pray for you. Et la chose qui suit c'est un even pastor, you don't need any other grace. These are the things you need to move forward. I am talking to you. These are the things you need to move forward. Voici les choses que vous devez apprendre pour avancer. Take time with God. Prends du temps avec le Seigneur. God is looking for those that will serve Him with sincerity of heart. Dieu cherche des gens qui vont le servir avec un cœur sincère. Jesus. Jésus. Is the only way. Est le seul chemin. Je dis en français. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Laissez les gnangnang, toutes ces choses-là, et suivre Jésus-Christ. Hein? L'enfant là, hein? Avec quoi encore? Les têtes, les crânes. These words shows that the Lord has already taken the man of God into the liberation realm of this territory. The man of God prophesied about the occultic group gathering to bring thunder and rain storm. I have not come here to kill somebody. I have not come here to do what? I came here for people to repent and give their life to Jesus Christ. Now, but there is a kingdom, they have been going around trying to bring thunder here. They started like that, they are struggling and struggling. Il s'est forcé d'envoyer le tonnerre ici. They have been struggling and struggling. Ils ont eu à essayer. But God, you don't joke with God. Mais on ne s'amuse pas avec Dieu. Ils sont là, ils font le tour. But if they continue, mais s'ils continuent comme ça, look around. Regardez autour. Are you sure? Est-ce que vous voyez? It's making a noise. No. Ça fait les va-et-vient. It is because when they push the thing, c'est parce que lorsqu'ils poussent, it meets power, it cannot go. Ça rencontre la puissance, ça ne peut pas marcher. It meets power, it cannot go. Ça rencontre la puissance, ça ne peut pas marcher. Are you seeing? Est-ce que vous voyez? But tell them to ask what happened in Pigny. Mais demandez-leur de demander ce qui s'est passé à Pigny. Suddenly, the Lord convoked and arrested the head of this occultic kingdom in this lady, and they began confessing all the atrocities they have been committing in the land. Le feu sur tes cheveux là. Le feu. Qui es-tu? Hein? C'est ton nom. Tu es ton oncle. Qu'est-ce que tu fais? Envoyez le feu ici, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tu es son nom.
Tu es entré dans elle, pourquoi? Je veux la détruire. Tu veux la détruire? Oui. Elle fait quoi ici? Elle fait quoi où? Ici. Maintenant, quelles sont les choses que tu as fait dans la vie de cette fille? Je l'ai détruire, empêcher le mariage. Tu as empêché le mariage? Oui, je veux détruire ses enfants. Tu veux détruire ses enfants? Oui, elle devait être loin. On te dit oui, j'empêche son grand frère de l'aimer. De l'aider parce qu'il a l'argent et il met trop l'œil sur elle. Tu empêches son grand frère de ne pas aider cette femme. Oui. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'elle prospère. Comment tu fais pour empêcher le grand frère? Arrête! Comment tu fais pour empêcher le grand frère? Je prends son argent, je pars dans les lieux sacrés. Tu prends l'argent de son grand frère? Oui. Tu pars dans les lieux sacrés? Oui. Et tu fais quoi? Je parle contre lui, je verse lui. Les lieux sacrés, c'est lesquels? C'est au village. Et sur les lieux sacrés, il y a quoi là-bas? J'ai un gros serpent. Tant gros, c'est pas là-bas. Oui, en bas de l'arbre. En bas de l'arbre. Oui. Donc tu pars en bas de l'arbre, tu fais quoi? Je fais les sacrifices, je verse l'huile. Tu fais l'huile, tu verse l'huile rouge. Oui, et je prends l'argent de son grand frère pour aller. Quand tu fais. Yes, oui. Yes. Comme il est. Donc, voilà, est-ce que vous comprenez maintenant? Are you getting now? Voilà les lieux sacrés là que je disais. These are the sacrifices I'm talking about. Et voilà un oncle. This is for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus Christ. Voilà un oncle qui est au village. Yes, an uncle qui ne veut pas quelqu'un qui est en ville qui prospère. He doesn't want somebody in the town to prosper. Montre exactement comment quand tu passes ton lieu sacré là tu fais oncle. Montre vite. Follow. Montre vite. How do you do when you go in those sacred places? Montre comment tu fais. Dis-moi. Je pars au marché, j'achète lui. Tu pars au marché, tu achètes lui. Avec la poule, avec l'argent que son frère m'a donné. Avec la poule, avec l'argent que son frère t'a donné. Oui. Je oui. Pars au lieu sacré. Quand il finit, il me donne le whisky. Uh-huh. Souvent il me donne le whisky, je parle, je verse, je parle. Tu prends le whisky qu'on t'a donné. Oui, j'écrase. J'écrase. Qu'il ne peut pas aider ses soeurs ni ses frères. Uh-huh. Personne. Ils vont souffrir. Et celle-ci est partie, dit qu'elle croit un certain ou c'est Dieu ou c'est quoi. Je me suis implanté dans elle pour la détruire. Tu t'es implanté dans elle. Oui, pour la détruire. Pour la détruire. Oui, je la détruis. Qui t'a donné la puissance? Tu as pris ça où? À la chefferie. À la chefferie. Oui. Quelle chefferie? Bamungum, je suis l'un des 9 notables. Tu es l'un des 9 notables. Oui. Elle a pris le notable de Bamungum. Elle a la panthère. Tu as quoi? La panthère. Tu as la panthère. Oui. Tu as la panthère. Oui, j'ai la panthère. Tu dis la panthère pour faire quoi? Avec le serpent. Tu utilises la panthère pour faire quoi? Pour tuer mes enfants, j'ai tué mes propres enfants. Tu as tué tes propres enfants? Oui. Tu as tué combien? J'ai tué ma première fille. Oui. Tu es la deuxième. Deuxième. Détruis la troisième. Détruis la troisième. Aucun de mes enfants ne peut prospérer. Uh-huh. Oui. None of them can prosper. Ton nom c'est qui? What is your name? Pardon. Ton nom c'est qui? Charles. Charles. Mm. Ton nom c'est Charles. Mm. Donc tu es l'oncle de cette fille? Éloigné. Éloigné. Oui. Oh. Son oncle éloigné. Donc tu es l'un des 9 notables de. Oui, je suis assis. Quand le chef s'assoit, je m'assois. Tu t'assois. Je n'enlève pas le chapeau. Tu n'enlèves pas le chapeau. Oui. Pourquoi? Cette femme dit qu'elle sait Dieu. Tu n'enlèves pas le chapeau, pourquoi? C'est nous qui commandons le chef. C'est vous qui commandez le chef? Oui. Vous commandez le chef comment? Il ne fait pas ce que nous on vend la pluie. Pas comment? Avec nos prêts, on a son totem. Vous avez le totem de oui, chef? Oui, on le tue. Maintenant? Oui. C'est vous êtes à combien dans votre club de sorcellerie? Nous sommes 9. 9? Oui. Dans votre club de sorcellerie, vous faites quoi aux villageois? What are you people doing here? On les détruit, on enlève leur pouvoir. Tu viens nous donner l'argent, on sort l'argent sur cet argent pour t'anéantir. Donc, quand tu veux, quand un villageois de ce village est de quoi? Quel village? Bamungum. Village Bamungum. Donc, quand un Bamungum vient, when Bamungum comes, il vous donne l'argent. He gives you people money. À la chefferie. Oui, en bank. Disant qu'il veut aider la chefferie. Oui. Vous prenez un parti de cet agent. Oui. Vous that faites that quoi avec? On va faire les sacrifices pour les détruire, les anéantir. Les anéantir. Oui. Ok. Bamungum is where? Et ici là. Ok. Oh. Vous voulez comprendre le secret de Bamungum? Est-ce qu'il y a les gens de Bamungum, monsieur? Mettez les mains aux les gens de Bamungum. Ok. Maintenant, ça veut dire que quand un élite de Bamungum vient à la chefferie et vous donne l'argent, vous prenez un parti. Quand un élite de Bamungum, quand un enfant Bamungum se lève, uh-huh. je fais l'effort pour toucher ses 5 francs.
Tu fais l'effort. Oui. Pour toucher ces 100 francs. Oui, même si c'est son vin qui me donne, je ne peux pas boire le tout. Je gagne le reste. Je m'en vais au village. Tu t'en vas au village. En bas de l'eau. En bas de l'eau. Près de quelle l'eau. Quelle eau? Le serpent. Ah, donne le nom de l'eau là. C'est derrière ma maison. Derrière ta maison. Oui. Ta maison est où ici là? À Bamako vers l'aéroport. Vers l'aéroport. Oui. Où là-bas exactement? Décris. Où là-bas? Tu sais que tu ne peux rien faire. Tu sais que tu ne peux rien faire. Décris là-bas. Qui t'envoie ici? Tu ne peux rien faire. La puissance qui est ici te dépasse. Tu as rien constaté. Décris là où ta maison est. Vite. Après l'aéroport. Après l'aéroport. Oui, on prend 200, on arrive chez moi. Locataire, l'endroit qu'on appelle ça quoi? Bassé. Bassé. Un endroit qu'on appelle Bassé. Hein? Bassé. Bassé. Donc, monsieur Charles, tu as Bassé? Oui. Hein? Oui. J'ai tué sa mère. Tu as tué sa mère? Oui, j'avais tué sa mère. Uh-huh. Vous l'avez ramassé cet enfant, mais celle-ci est têtue, elle était dure, elle me déteste. J'ai préféré m'implanter en elle. Tu as préféré t'implanter en elle? Oui. Tu as déjà fait combien de temps dans elle? 10 ans. 10 ans. Juste après la mort de sa mère. Juste après la mort de sa mère? Oui. Maintenant, où votre groupe fait quoi entièrement au village? Donc les activités que vous faites exactement? Nous sommes presque tous morts. Uh-huh. Oui. Tu es encore vivant? Je suis vivant. Ce sont les gens qui sont morts. Nous restons deux maintenant. Pourquoi vous restez seulement à deux? Ils n'ont pas pu faire ce qu'on avait à faire. D'autres sont morts. Je suis là. Parce que je profite encore de la famille de cette fille. Je vais les détruire, les déstabiliser. Donc, qu'est-ce qui vous fait que vous ne mourrez pas? C'est quoi? Le sang et les trucs que nous partons toujours verser. Je ne le saute jamais. Même si je dors en famille, mon crâne, mon serpent mange. Même si tu dors en famille, ton serpent doit manger. Vous voyez? Les sorciers ne dorment pas. Ailleurs. They prefer to sacrifice. Je préfère que tu dois. Fire. Le serpent qui est en bas de lave là, feu là-bas. 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 Regarde comment le serpent marche. Look at the snake walking. Tu vois comment le serpent marche. Look at the snake moving. Qu'est-ce qui arrive à ton serpent? Le feu. Le feu. Ton panthère là, tu utilises pour faire quoi? Panthère, comment ça mange? Panthère, comment ça marche? Vite. Panthère, marche vite. Marche vite. Comment ça marche? Panthé marche! Marche vite, Panthé! Tu utilises le Panthé là pour faire quoi? Effrayer et détruire. Tu effraies les gens à quelle heure? 22h. 22h. Les gens en route, où tu les effraies où? En route sur les arbres, quand ils marchent. Quand ils marchent? Je verse les fumées rouges. Tu verses quoi? Les fumées rouges. Le fumée rouge? Oui. Ils peuvent faire quoi sur les gens? Ça mange, ça donne les gales. Ça mange quelque chose, ça donne les gales? Oui, les démangeaisons. Uh-huh. Oui, aux gens. Aux gens. Et quand ça donne ça, qu'est-ce qui arrive? Après-midi. Les gens de Bamungo, vous comprenez comment on vous tue, non? Are you hearing how they are killing people Bamungo? Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus Christ. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus Christ. Tu dis que tu utilises tes pouvoirs pour anéantir le chef.
C'est nous qui nous contrôlons. Les autres notables peuvent enlever le chapeau, mais pas moi. Les autres peuvent enlever le chapeau, mais pas toi. Oui. C'est nous qui contrôlons le chef. Nous avons les totems. On contrôle le chef. Vous avez les totems, vous contrôlez le chef. Tous les totems là, ça va finir aujourd'hui. During this deliverance, the confession from the occultic leader in this lady alerted the whole population to be so connected to God. At the same time, their faith lifted up. The tension intensified when the indigents of this area heard realities of events that has been happening in this territory caused by this demonic kingdom through spiritual powers. Their long-time questioning, inquiries and suspense on this evil happening were answered and brought to lamplight when the occultic leader, by the fire of the Holy Spirit, confessed and cited the exact major happening of this land. You can see and hear how some of the indigents who were directly concerned and implicated by this event and happenings in this land got up with all surprises and wonderings, responding and identifying themselves as victims of this event. Let's watch. Dans le village de Bamako, tu as encore attiré les totems où? C'est l'autre près des coups d'eau. Où? Appelez Fèche. Appelez où? Fèche, les femmes viennent là-bas faire des sacrifices pour leurs enfants. Les femmes viennent où? À Fèche. Puis ils versent l'huile. Fèche, c'est où? Un endroit qu'on appelle Fèche. Fèche, c'est où? Fèche, c'est à côté de chez monsieur. Ok, tu connais le monsieur? Je le connais, il a même tué la femme de ma mère. Voilà. Il a tué quoi? Viens. La dernière femme de lui, on a accusé. La dernière femme de lui? De mon grand-père. De ton grand-père? Oui, elle le nom de ton grand-père, c'est qui? C'est vrai. C'est un grand lieu sacré pour les
de Bamungu. C'est un grand lieu sacré pour les gens de Bassé. Ils viennent faire le sacrifice là-bas. Ils font les sacrifices là-bas. Tous les femmes de là, partent là-bas pour faire les sacrifices. Le chef de Bamungu a combien de femmes? Plus de 100 femmes. Le chef de Bamungu? Oui, Daddy. Plus de 100 femmes. Qu'est-ce que tu as fait chez le chef de Bamungu, les femmes de Bamungu? Non, je n'ai pas encore atteint le niveau là. Tu n'as pas encore atteint le niveau là. Donc, tu connais le monsieur là? Hein? Oui. Tu connais? Oui. Il y a quoi encore qui a joué dans la famille? Moi, je ne sais seulement qu'il a tué la famille. Tu voulais dire quoi? Non, je sais qu'il a tué ma mère. Appelez le nom de la personne qu'on a tué, c'est qui? Madame Kenéjean. Qui a tué Madame Kenéjean? C'est moi. C'est toi? Il avait trompé de couper un arbre mystique en bas de sa concession. Tu avais fait quoi? Il avait trompé de couper un arbre mystique en bas de sa concession. C'est là où le totem de plusieurs Bamungu se cachait. C'est là où on a paralysé les pieds. On l'a paralysé les pieds. Oui, après on l'a jeté un sort. Un sort. Oui. On l'a jeté maintenant, ils sont allés morts. Oui. Elle était d'abord paralysée les pieds. Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'arbre qu'elle était partie couper. C'est ça qui l'a paralysé. Ça avait d'abord paralysé. Oui. Et puis, on l'a lancé dans le sol, elle est mort. Oui. Tu as compris, mon? Tu as compris dans ce qui est arrivé. This section brought a lot of conviction in the hearts of God's people at this crusade ground that Jesus is alive. The Lord Almighty led the man of God to convoke this demonic leader through his spirit into the lady to physically come to the crusade ground. By the power of the Holy Spirit, the man left his house physically and was coming to the crusade ground. The journey of this occultic leader to the stadium was followed up step by step until he arrived. Ton corps est où maintenant? Pendant que tu parles ici, ton corps est où? C'est couché au lit chez moi. Écoute, amène ton corps ici. Tu ne sors pas pour venir ici. Viens physiquement ici, tu ne peux pas venir. Hein? Manque de pitié. Tu peux vous le dépasser. Non, viens. Viens ici donner ta vie à Jésus-Christ. Les gens du village vont le rire. On se moque de lui. Le pauvre a pété la gueule. On va dire qu'il a gâté son village. Tu dis quoi? Ok, regarde ce que je vais commencer à faire. Je lance un code. Ça va t'attacher à la maison. Je vais commencer à te tirer, tu vas arriver ici. Alléluia! Hey. Tu veux ça? Tu as déjà vu la corde, non? Tu as déjà vu la corde? Je lance. Fire! Je lance la corde. Tu me prends quoi? C'est quoi? Je veux que tu viennes, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Je vais sortir d'elle et laisser qu'elle marche avec moi, non, pas moi. Non, ce n'est pas toi qui commande. J'arrête d'abord ton cou. J'appuie. Tu crois qu'on est ici pour s'amuser? J'appuie ton cou. J'appuie. Tu me parles de le patois. Non. Tu vas venir ici? Parle! Monsieur, tu vas venir? Tu vas venir ici? Je vais venir avec mes mains. Tu vas venir? Oui. Comment ça venir? Comment ça venir ici? Lève-toi, tu commences à venir.
Tu as quel niveau maintenant? Tu as quel niveau? Kena. Kena, c'est la route. J'arrête encore ton coup, marche vite. J'appuie ton coup. Aïe. Tu as à quel niveau? Aïe, comme comme. Comme c'est un quartier, c'est déjà proche. Immediately, this leader of the 666 kingdom arrived the crusade ground and confessed that he is already around. The population was eager to see him. The confrontation began. Suddenly, the rest of his occultic kingdom members who gathered began attacking the crusade ground with a heavy wind storm. The Spirit of God switched everybody into hot and vibrant prayers. Fire!
The man of God ordered the windstorm to stop. It stopped without achieving its destructive aims. Since they could not succeed with the windstorm, they brought rain to disperse everybody, destroying the electronic sound equipment in the crusade ground and stop the crusade. People of God, watch how the Lord works in a miraculous way. An electronic microphone in the hands of the man of God, soaked by this rain until the water could be seen dripping. This microphone kept on talking and producing sound. Speakers soaked but still playing. Other equipment soaked but still producing sound. These can only be the hand of God. All of these, the Lord Almighty strengthened the faith of the man of God, and he persisted in the rain, and everybody stood in strong faith with him and praising God. For the Bible says in the book of James chapter 4 verse 7, "So then submit yourself to God, resist the devil and he will flee." Their powers gave up and the rain gave up. Glory be unto the Lord. The crusade continued with praises and prayers. Our Lord Jesus Christ healed and delivered many souls this day. When the higher power confronts the lower power must bow. Glory be unto our Lord Jesus Christ forever. After all the great manifestation of God's power in the crusade ground, the whole Western region community saw in reality the aliveness of our Lord Jesus Christ and decided without hesitation to publicly abandon their God and submit to our Lord Jesus Christ as the only God. You can see for yourself that those human skulls are a strong worship idol in this part of Cameroon. It is forbidden for a human being to go nearer those skulls without pre-traditional manifestation. When these people saw the power of God, they believed that it is more than what is in the skull, and finally landed on the idea that it is worth worshiping Jesus Christ than the mere skull of a dead human being. Other worshipped elements like the calabash and other concocted demonic articles also lost their values before their bare
eyes and were brought to be burnt. Profoundly, the spirit of the people of this community received great revival and impartation from God. Their ideology about the things of God changed, and they can now believe that there is a living God. As we are talking now, tradition in the Western region is just a nightmare, relating to the fact that their God could not walk, see, talk, or save them at the expected time. This scenario proves that their God tried but could not save them. Pourquoi tu as décidé de laisser les choses aussi? J'ai décidé de laisser ces choses. Pas seulement maintenant, je me suis préparé depuis. Voilà. Mais je donc vois c'est pas la finition maintenant. Le Seigneur a préparé le prophète Kingship pour qu'il vienne me délivrer et ma famille. Et je donne comme témoignage ces choses que mes ancêtres ont implantées. Ils nous ont poussé au manque de mariage. Voilà. On aime les hommes, ils ne nous aiment pas. Voilà. On nous pousse en prison. Voilà. Ça nous a poussé aux dettes. Tu ne fais que t'endetter. Et tu ne vois pas ce que tu fais avec l'argent. J'ai été sous détention provisoire en prison pendant 3 mois. Les dettes, et je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Ces choses m'ont poussé entre les mains des Rosicruciens. J'ai failli perdre tous mes enfants. Ces choses ont empêché que je ne vienne la grande dame que Dieu a créée. Parce que je ne suis pas venu au monde pour être n'importe qui. Je devais sauver le monde. Ces choses ont poussé ma mère. Elle est morte d'une mort tragique. Ma maman est morte à 50 ans. On vient la trouver étendue sur la rigole. Morte, les yeux percés. Hey. Ces choses ont poussé le premier enfant de mon grand frère en Europe qui avait tous les galons dans l'armée américaine. Elle venait sauver le pays et elle est morte sans être malade. Ces choses m'ont fait perdre un génie entre les mains de mon petit frère. Un enfant de 16 ans que mon frère a couché à 18 ans. L'enfant est mort au champ. On l'a trouvé au champ, creusé le champ comme les porcs. Elle avait l'utérus percé. On dit qu'elle a avorté. J'ai perdu Rendia et je pleure jusqu'à aujourd'hui. Mon grand frère est mort d'une mort tragique. Finalement, ma maman n'avait même pas la cuillère pour donner à manger à quelqu'un, ni un plat, parce qu'elle a tant sacrifié les chèvres. Elle était de Bansoa, sa mère est de Bamangoum. Moi, en tant que le successeur de ma mère, j'ai sorti au moins 250 000 pour aller ramasser 16 crânes du côté maternel. Je suis venu déposer. Aucun de mes frères n'évolue. Mon grand frère qui est le pivot, le pilier de ma famille, il est en Europe. Il a touché les millions, il n'est rien, il n'y a pas de femme chez lui. Où je suis, j'ai accouché avec 2 hommes, aucun homme ne m'a doté, et je suis une femme de bon caractère, et ça me fait mal. J'ai frappé la main sur la table, j'ai dit à Jésus, Jésus le roi, tu m'as dit dans Ézéchiel 22, Ézéchiel 22, que je cherche parmi eux une personne qui doit se lever, se tenir, lever un mur, intercéder, afin que je ne détruise plus ce pays. Je me tiens devant la famille de mon père, Teka Michel, Santo le Portier, dans les fondations de Tchankangoum Tchankouni, de Bameka Bamenjou, de Bamenjou Bamengoum, de Bamengoum Bansoa Bafou. Je déclare par l'autorité du Christ que non, à compter de maintenant, par l'action du prophète Tchankouni, je mets fin à cette situation. Voilà. Regardez-moi un femme capable comme ça. Maman, aujourd'hui, c'est fini. Appelez le nom de la famille. Le nom de la famille. La famille maternelle, c'est la famille Teka, Sonkin le Pontio. Oui. Mon père est de Bafou, mais ma mère est d'origine de la Mifi. Oui. Bameka, Bamenjou, Bamangoum. Et même une grand-mère qui a fait 3 mariages. Mais Faza Maguerite, c'est ma mère qui est morte tragiquement. J'ai lavé ma mère, elle avait chié. Elle avait chié les selles crues. Donc je n'ai pas compris le genre de mot. Amen. Cette famille-ci, aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous tous là qui avez abandonné ces choses-ci, et venez dans la présence de Dieu,
Il dit que c'est Jésus-Christ seul que vous voulez adorer maintenant avec toutes vos familles. La Bible dit que quoi? Ce qu'un homme juste entend, ça va se réaliser. Que vos idées soient réalisées au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est que ce que vous entendez de Dieu, ça soit réalisé au nom de Jésus-Christ. Amen. The Bible says the expectation of the righteous shall never be cut off. Shout the living amen. Amen. Shout the living amen again. Prions contre amen une fois de plus. This woman came reporting in the church on the encounter she had with an old 75 years man on coming back from the crusade ground, met with this man at about 3 o'clock in the morning, and this man happened to be one of the occultic people that was sending the thunder and the windstorm in the crusade ground. This man exclaimed to the woman that for his 75 years in this locality, they have never seen this kind of power before. How could they be sending thunder and it suspended on the air and returned to them? They tried pushing forth the thunder, but it could not manifest. Defeated in his spirit, this man kept on wandering around that night, asking what will happen to them next. But our God is a merciful God. Let's listen to the woman. Je viens de Mambanda et je vais un peu seulement parler. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, bonsoir. Je vais seulement un peu parler de la croisade qu'on est parti à Bafoussa l'autre jour. Et j'étais à la croisade, le temps qu'il pleuvait, il a plu sur nous, jusqu'à il était 3 heures. J'ai dit à ma soeur que je l'ai invitée, que ma soeur, là où nous sommes là, nous sommes trop mouillés, il fait froid. Allons chez toi là, je me déshabille, je porte un autre habit. Parce que le premier jour, on a dormi qu'au stade. Maintenant, on est descendu, il était 3 heures, quelque chose comme ça. On descendait, on partait chez ma soeur là. Arrivé au niveau du carrefour, on a vu un papa. Il dit que, il nous a effrayés. J'ai eu peur. J'ai dit que, peut-être c'est les bandits. Après, j'ai dit, alléluia, le bandit ne peut pas me trouver si je rentre servir Dieu. Quand j'ai dit comme ça, le père a dit, bonsoir ma fille, bonsoir, vous voulez fuir? J'ai dit que non, on marche seulement, on ne fuit pas. Il dit, je peux parler avec vous. Vous sortez d'où? J'ai dit que nous sortons du stade là. Elle dit que, arrête ma fille, arrête-toi. Le monsieur là, il est hindou, je le dis. Il dit qu'il vient d'où? Je dis qu'il vient de Douala. Il dit que, ma fille, il vient d'où? De Douala. Et son ministère, c'est où? Je dis que je l'explique ici à Kamoko. Il dit que, mère, j'ai vu du miracle aujourd'hui. Depuis 75 ans, quand je suis dans Bafoussa, je n'ai pas encore vu la qualité ici. Je dis que, je dis la qualité si c'est comment papa. Il dit que j'ai vu un monsieur, je n'arrive même pas à arriver là-bas au stade parce que je voulais aller lui dire merci de ce qu'il est en train de faire. Mais une vapeur est venue du stade, ça m'a fermé les yeux. Je suis moi rentré. Je suis comme ça à côté. Je dis que papa, il faut venir témoigner ça demain. Demain c'est samedi, c'est le dernier jour. Il faut venir. Est-ce que je ne peux pas témoigner? On me connaît trop dans ce village. Ma fille, je me cache seulement comme ça pour te dire. C'était trop grave. Nous, on a envoyé 3 fois le tonnerre. Le monsieur là, ça m'a mis la main comme ça là. Ma fille, je ne peux pas arriver là-bas. Ils ont même les télés pour me voir. Si je viens au stade là jusqu'à j'entre, tous les quartiers vont sortir qu'avec les machettes pour me découper. Parce que ce que le monsieur là a fait ici, il y a un pasteur qui était arrivé ici à Barça. Et on a tué le pasteur là que dans quelques minutes. Men and women now yearn for God. Revival is currently hitting the land. Hearts are open to the gospel and the aliveness of our Lord Jesus Christ
It's given its full value in this locality. Glory be unto God.